له بقميص المنتخب الوطني، خاصة مع غياب الظهير الأيسر الأساسي رامي بن سبعيني بسبب العقوبة. السلام عليكم. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دونك مرحبا بكم في هذه الندوة الصحفية التي تقبل يعني قبل لقاء الجزائر الكاميرون. معكم من الناخب الوطني والمدافع الحوافي. لدينا 20-25 دقيقة على الأقل. مدى بكم أسئلة قصيرة وجيهة في الصميم. شكرا. بندلي. Coach, bonjour. Fethi Bendali, la chaîne 3 de la radio algérienne. Coach, trois jours seulement vous séparent des deux rencontres avec, on l'a vu, les efforts consentis vendredi dernier. Comment on fait pour que les joueurs reprennent leur forme et puissent sortir encore un grand match demain? Salam alaikum. Bon, effectivement, quand on a deux matchs avec une telle, en tout cas pour le premier match, sûrement le deuxième, avec une telle intensité, une débauche d'énergie, la première des choses, c'est de bien récupérer. Donc, on s'est attelé à ça, à faire en sorte que les joueurs récupèrent pleinement, physiquement, psychologiquement, parce que nerveusement, très important. Et voilà, l'essentiel du travail a été basé, entre autres, sur ça. Et voilà, donc, comment on fait voilà, plein d'éléments de récupération qu'on a mis en place. On a tout ce qu'il faut à Sidi Moussa, on a le staff qu'il faut, on a les moyens matériels de le faire. Et voilà, et puis il faut se replonger dans cette deuxième bataille. Et je pense que aussi tout ce qui est l'aspect psychologique aide généralement quand on sort d'une belle performance. Ça aide plus facilement à récupérer. Bonjour coach, Saïd Felak, Canal Algérie. Je suis là. Oui, je vois. Voilà. Donc coach, sans rentrer évidemment dans vos choix techniques, bien évidemment, sur la convocation, ou plutôt, voilà, la convocation aujourd'hui de Saïd Barrahma. Il a rejoint le groupe ce matin. Qu'est-ce qui a motivé vos choix justement pour le convoquer, sachant qu'il n'a pas été retenu au préalable dans la liste? Et juste une petite deuxième question sur Ben Sebaïni qui sera absent. Est-ce que vous pensez que ce sera une absence assez importante pour vous? Merci. On n'espère pas. Pour Rami, on n'espère pas que ce sera une absence importante pour ce match. On connaît tous la valeur de Rami. On sait à quel point... À quel point il est important pour cette équipe-là. Mais j'espère que voilà, que le joueur qui va le remplacer sera tout aussi à la hauteur des performances qu'il a l'habitude de produire. Pour ce qui est de Saïd, bah, il était dans la liste élargie. On a Rami qui n'est pas qualifié entre guillemets pour jouer ce match-là. Donc on joue à domicile. Moi, j'ai décidé d'appeler un renfort offensif. Oui, bonjour coach, Abdelmoud Mouiri, Radio France Internationale. J'aimerais vous poser une question sur votre adversaire. Pensez-vous que votre adversaire, c'est comme une bête blessée? À la chasse, on dit qu'il faut toujours se méfier d'une bête blessée. Pensez-vous que le Cameroun est une bête blessée? Je ne sais pas s'ils sont blessés, en tout cas ils sont déçus de ce premier résultat. Et tout à fait logiquement, perdre à domicile dans une double confrontation pour des matchs de qualification Coupe du Monde, c'est déjà quelque chose d'important. Ensuite, voilà, ils avaient une série d'invincibilités ou de nombreuses années qu'ils n'avaient pas perdu à domicile. Donc ouais, toutes les raisons du monde sont réunies pour eux pour être très déçus et sûrement remontés. Ça c'est tout à fait normal. Donc, ouais. Okay.
Bonjour coach, Tarek Boufliah de la télévision nationale. Après avoir joué le Cameroun au match dernier, est-ce que c'est la même vision que vous gardez sur cette équipe ou il y a des éléments qui ont été changés? Et est-ce qu'il y a toujours quelque chose à craindre de cette équipe ou il faut être toujours prudent? Bien sûr, beaucoup de choses, quelque chose, beaucoup de choses à craindre de cette équipe. Ça c'est évident. Elle est, c'est une équipe qui est performante. Je vous l'ai dit, individuellement, collectivement, elle a beaucoup d'atouts pour vous faire du mal. Elle est dangereuse dans plein de secteurs du jeu. Et on connaît leurs joueurs offensifs, on connaît le côté athlétique, c'est très bon sur coup de pied arrêté, plein d'éléments qui font qu'il faut faire attention. On sait que voilà, ça on le sait très très bien, les joueurs le savent. On est hyper concentré sur ces aspects-là et sur ce deuxième match. Bonjour coach, c'est Fatah Bouchanan, Nahar TV. Question pour l'AOAV. العوافى ممكن الناخب الوطني غدا ان شاء الله يعتمد عليك، اكيد راك محفز معنويا لهذه المباراه. في حال الناخب الوطني يعتمد عليك، هل راك محفز معنويا وهل راك واجد باش تكون في التشكيله غدا ان شاء الله؟ السلام عليكم. اول حاجه نشكر لازم نقرب. السلام عليكم. أول حاجة نشكر المدرب جابر الماضي على الثقة البحثية، شرف كبير لي أنه نكون مع المنتخب الوطني، هذا أي لاعب يسأل باش يكون في بلاصتي اليوم، وإن شاء الله راني واجد 100% إن شاء الله باش الميدالية تعطى المنتخب الوطني، وراني تحت تصرف المدرب وإن شاء الله نكون في التشكيلة إن شاء الله. السلام عليكم كوتش مصطفى بويفر الإذاعة الجزائرية. كوتش في لقاء ذهبي دوالا كانت فاجأتم المنافس بطريقة اللعب، هذا باعتراف المدرب ريغو بيرسونغ، هل نتوقع أن جمال بلماضي سيفاجئ مرة أخرى في لقاء العودة المدرب والمدرب المنتخب الكاميروني والمنتخب الكاميروني لتحقيق التأهل إلى المونديال؟ شكرا. أنا مركز على فريقي وكلام تاع المدرب تاع المنتخب هو مسؤول على كلامه. المهم في هذه المباراة هي تأهل كأس العالم، دونك التفكير ونخمو على هذا الهدف تاعنا، كل التفكير على 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 هذه المباراة ou les moyens qui sont étudiés, c'est pour la qualification. Donc, surprise, pas surprise, le mohim, on fait le nécessaire pour ça. Salam alaikum, coach. كريم بالعربي ال 24 نيوز. بون كوتش، هزيمه تاع المنتخب الكاميروني في مباراة الذهاب حتخليه يلعب في تشاكار الكل في الكل من أجل تدارك هزيمة الذهاب، هل هذا الأمر هذا راح يكون في صالح المنتخب الوطني لأنه المنتخب الكاميروني حيلعب الكل في الكل ربما حيخلي مساحات، أم أنه يخلي المنتخب يتحمل عبء المباراة؟ ما يش عارف أن المستقبل، ما يش عارف كيف رايح يدخل في هذه المباراة، إلى مش عارف لو بلوز امبورطون، المهم سي حنا شنو راح نديرو وحنا شنو لازمنا نديرو في هذه المباراه. هذا المهم. Je pense qu'il faut se préoccuper de prendre en considération toujours évidemment les forces et les faiblesses de l'adversaire et mettre en application حنا nos principes, notre plan de jeu. Voilà. Salam alaykoum. Mohamed Yazid Tima, Qanat El Bilad. Bonsoir coach. Et déjà, félicitations pour la victoire au match aller. Ma question, enfin, on est 90 minutes de la Coupe du Monde, Inch'Allah.
Mais malheureusement, nos joueurs continuent à contester les décisions de l'arbitre. Et à chaque fois, on reçoit des cartons, par exemple, à l'image de Rami Ben Sebaïni, qui sera absent demain. Et on a vu aussi, Islam Slimani, qui a reçu aussi un carton gratuitement. Mais je pense qu'il y a un travail sur le plan psychologique, mais apparemment, on continue à faire des erreurs. Sur celui de Rami, il n'y a pas d'erreur du tout. Absolument pas d'erreur. Et vous ne voudriez pas dire ça parce que vous allez dans le sens de ces décisions-là, qui sont des décisions injustes. Quelle a été l'erreur de Rami? Il a tardé, donc on le prévient. C'est une touche, c'est comme ça. C'est pas, il ne tire pas un 6 mètres, n'importe quoi. Quand on voit les gardiens de but quand ils prennent du temps, on les prévient. On les, entre guillemets, une sommation. Chier, tu mets un petit peu de temps pour faire une touche, c'est directement un carton jaune. On a vu des fautes sur le terrain, où on touchait l'intégrité physique des joueurs, des fois, qui n'ont pas été sifflés d'un carton jaune. Donc c'est pas parce qu'on a pris un peu de temps sur une touche, alors qu'il n'a pas prévenu une fois, qu'on met un carton jaune. Donc ça, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Maintenant, je suis d'accord pour celle de Islam, mais rappelez-vous aussi pourquoi ça ne justifie pas ça. Mais il y avait deux choses. Le carton jaune de Rami, il est complètement injustifié, et ça, il faut qu'on soit tous d'accord là-dessus. Après, celui de Islam, on aurait pu s'en passer, mais bon, c'était, je crois, suite aussi à une grosse faute, touche qui n'avait pas été pénalisée d'un carton jaune, je pense qu'il y avait, sur Faye, qui était aussi, lui aussi, dans la même situation que Rami. Il prenait un carton jaune, il jouait pas demain. Donc on a bien l'impression que tout ça, c'est... Voilà, qu'ils sont bien au courant de tout ça, et voilà, on a des fois ce sentiment de deux poids, deux mesures. C'est pas que des sentiments, c'est des faits. Il faut analyser les faits. Pas juste la conséquence, malgré que je suis d'accord avec vous, des fois, si on peut faire abstraction, vaut mieux. Mais celui de Rami, complètement injustifié, il n'a rien fait, il n'a rien dit, il a tardé sur une touche, c'est un grand maximum, je te préviens, je te dis que la prochaine fois, si il est là de Paul, je vais te mettre un carton jaune. Mais ce n'est pas comme ça, soudainement, un carton jaune. Salam alaikum, coach. Zahra Lian, Jarida Al Maghrib Al Awsat. الجماهير الجزائرية ستكون حاضرة بقوة غدا لمساندة المنتخب الوطني. كيف سيتم التعامل مع ضغط الجماهير في مثل هذه المباريات؟ بالتوفيق. هذا ضغط إيجابي. هذا ضغط اللي نحبه إحنا. ضغط تاع الجمهور يجي دعم المنتخب. دونك إحنا أنا فرحانين كثير. ونتمنى إن شاء الله نفرحوهم. دونك هذا المهم وهذا هدفنا. نفرحوا شعبنا، نفرحوا الجماهير اللي يكون موجود، على بالي رامي شويه يتعانوا، يسوف خمتي بو، اون افي كيلكوز ايماج، ديزولونت لي ايماج، فوالا نو نيمغي بوفوار فير فينير تو نو سوبورتير ان ماكسيموم، دون لي كونديسيون اوبتيموم، دون لي كونديسيون ايديال بور فوار دون لي ميور كونديسيون بور بوفوار افوار ان بو ماتش. المهم ان شاء الله غدوه ان شاء الله نفرحوهم ان شاء الله. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Bouroubi Mohamed, la chaîne Chourouk News TV. Bon, coach, la question pour le coach. Depuis votre arrivée, coach, on a vu peut-être à 40 à 50% des buts marqués par l'équipe nationale, c'était par des passes en retrait. C'était une arme fatale pour l'équipe nationale. Récemment, dans les 4 derniers matchs, on a vu 2 buts marqués par les balles arrêtées. Est-ce que c'est la nouvelle arme tranchante pour notre équipe? 50% des buts dans le monde sont marqués sur coup de pied arrêté, donc rien d'exceptionnel. Ça, dans les matchs surtout de haut niveau où les occasions sont rares, c'est une arme fatale. Donc il faut être performant dans ce domaine aussi. Comme ça, on regroupe beaucoup de chances et de pouvoir marquer des buts. Donc c'est important d'être performant offensivement et défensivement. السلام عليكم. طارق الواحد من إذاعة بليدة الجهوية. كوتش، شفنا احنا في لا ليست السابقة كان فيه الدوبلير تاع بالليلي غايب، معناتها لا كونفوكاسيون تاع بالرحمة سي لوجيك، مي كونسيرنون لو بوست اللي كان فيه بن سبعيني كاين العوافي برك لي روثن، دونك اسكو ليا الدوبلير تاع العوافي؟ اوكي. Okay.
حنا لا قدر الله بالك العوافي لعب تيتولير دونك بالك تبليسا دونك لو شكون لو رومبلاسمون تاع العوافي اون ساتوندي كو لي كون كونفوكي في هذه لا ليست سي با التشكيله بالك ها باغي التشكيله اللي تدخل في المباراه نعطيها لك الا باغيها نعطيها لك لا الا حنا على بالنا باللي الكاميرون ما يستناو فينا كاع ما كنا بارك الله فيك بارك الله فيك لا لا كاين لو رومبلاسمون يا بليزيور كالكول Non, non, pas Jamel Darami. Voilà. Bonjour, coach. Walid Hamdadou, DZ News. Coach, ma première question, est-ce qu'il y a une ressemblance entre le match du Burkina que vous avez joué déjà à Tchaker et qui était décisif pour passer au barrage et le match du Cameroun de demain? Ma deuxième question, vous avez promis d'aider Islam Slimani pour, c'est-à-dire dépasser Drogba. Donc, comment vous allez le préparer pour le match de demain? Merci. Bah, déjà, lui, il n'a pas besoin qu'on l'aide. Hein. Il est déjà préparé. Il est déjà. Il aime les challenges comme ça. Il aime les records. Il aime très attentif à ça. Mais généralement, les attaquants, ils sont très attentifs à ça. Jouer un match pour un pur avant-centre, jouer un match sans marquer de but, c'est toujours une petite frustration. Bon, là, pour le coup, d'après ce qu'il dit, hein, je ne sais pas s'il faut le croire, d'après ce qu'il dit, une qualification. Un match à Tchaker sans marquer de but, il signerait tout de suite. Bon, ça oui, mais je pense qu'il a envie de marquer, qu'il a l'envie vraiment de marquer, surtout pour aider son équipe, chose qu'il a très très bien faite à Chapoma. Ensuite, c'était... Le match du Burkina nous permettait de vivre ce qu'on va vivre aujourd'hui. À savoir être encore en vie, encore en lice pour pouvoir jouer, se qualifier en Coupe du Monde. Donc déjà, oui, il y a une petite ressemblance, mais là c'est encore plus fort, dans le sens où on est à 90 minutes d'un mondial. Donc on est dans la lignée de ça, il fallait passer par un certain chemin, il y avait un cheminement, il y avait des étapes à franchir. Là, l'étape de la phase de groupe était une étape importante. Aujourd'hui, on est dans un autre truc. On est à un match d'une qualification mondiale. Donc, évidemment, beaucoup d'excitation. Salam alaikum, coach. Shafia Saadi, Qanat Al-Watan One TV. Coach, مباراه الكاميرون غدا راح تكون مباراه نهائيه مثل مباراه الذهاب. اللي يهم فيها النتيجه على حساب اللاعب. سؤالي كوتش فيما يخص اللاعب رامي الزروقي، حسب احصائيات اوبتا شفنا اللاعب كان على غير عادته في المباريات السابقه، هل هذا بسبب خصوصيه المباراه واننا لم نستحوذ على الكره كونها انها مباراه تربح ولا تلعب، ام وهل انت راض عن اداء اللاعب واللاعبين ككل؟ شكرا. هذه سؤال جاي منك؟ وي. تعرف كرة القدم ما نقصد. كوتش نقدر نعطي لك الإحصائيات، بون ماشي اللي درتها، ماشي أنا اللي درتها. لي ستاتيستيك؟ وي، مثلا نشوفوا التمريرات، قدم تمريرة واحدة، قطع الكرة أيضا، قطع كرة واحدة. عندي في التليفون بوينت ما. نو مي بور بارلي دو راميز. pour parler de Ramiz, c'est vrai que des fois, Khedemto, des fois, ça dépend des systèmes tactiques, mais Shimarat, Khedemto, met Biyinch, où là, on travaille, ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Difficile de. Mais des fois, le travail de l'ombre, il est essentiel, indispensable, primordial. Donc. Il y a beaucoup d'intelligence de jeu chez ce joueur-là, sans ballon, donc dans ses déplacements, dans la manière de colmater les brèches, tous ces mots-là, je ne sais pas les dire en arabe, hein, les SF, donc je le dis en français. Andou Shirol Kbir, il a une importance dans certaines situations. Qui font que il peut équilibrer certaines situations adverses.
Et on l'a, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu comme d'habitude, plutôt dans la construction du jeu ou la participation du jeu, parce que c'était un autre genre de match, un autre plan de jeu, un autre système de jeu qui l'a peut-être, voilà, empêché de jouer comme il a l'habitude de jouer. En tous les cas, un iradi à l'aide à Ramis. Merci. Bonsoir, Thomas Suto pour Canal+. Qu'est-ce qui fait que ce stade de Blida vous réussisse particulièrement bien et que l'équipe se sente aussi bien ici et ne perde jamais? Très sincèrement, il faudrait le dire à tous les joueurs. C'est les joueurs qui apprécient particulièrement ce stade-là, se sentent en confiance. Il y a eu une très grande série d'invincibilité ici. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est tous les matchs qu'ils ont pu produire ici, des matchs importants, qui fait que voilà, ils se sentent bien. C'est pas de la superstition, c'est plutôt un feeling. Ils ont leurs repères, ils ont leurs trucs. Puis peut-être d'autres entraîneurs qui ont suivi. Moi, je suis plutôt l'avis des joueurs. J'estime que c'est eux les acteurs principaux. J'estime que c'est eux qui sont sur la pelouse et que c'est à eux de se sentir dans les meilleures conditions. Donc ils ont insisté pour pouvoir jouer à Tchaker. Mais moi, ça ne m'aurait pas dérangé de jouer dans un autre stade qui peut d'ailleurs accueillir plus de supporters. On est à un match d'un mondial. Terminons le travail, Inch'Allah, ici. Et après, on aura l'occasion de jouer dans d'autres stades en Algérie, ce qui est un petit peu mon vœu, voilà, d'aller dans d'autres villes aussi. Bonsoir, Jamal. Fouad Ismail de la Qatar Media Corporation. Jamal, à la fin de cette conférence de presse, je voudrais parler de la fin du match de Japoma. On vous a vu aller vers les joueurs et leur demander de ne pas défiler, ne pas s'enflammer. Ouais. C'est tout à fait logique. Est-ce que c'est une stratégie de votre part? Et surtout, comment expliquez-vous la réaction des joueurs, que ce soit du Cameroun ou de l'Algérie? On s'attendait à un effondrement des joueurs sur le terrain après un match aussi intense. C'était une fin de match très calme, comme si c'était un match amical. Franchement, on a senti ça. Pourquoi? Ah non, on a pu sentir ça, mais bon, déjà la satisfaction, elle était là. Elle était là. Ils ont réalisé un petit peu tout ce qu'on avait pu mettre en place sur les 3-4 jours de stage. Ça, c'était d'un point de vue pratique. Après, d'un point de vue théorique, ça fait 2 mois qu'on est en train de bosser sur cette double confrontation. Donc ils ont ce sentiment de satisfaction, mais mesuré dans le sens où il y a un deuxième match qui arrive très très vite. Donc c'est des professionnels, à la limite, j'ai même pas eu à leur dire. Hein. Ils étaient déjà dans cet état d'esprit. 5 minutes avant, j'entendais déjà les joueurs ici et là de se quitter sur le banc. Et les gars, on reste tranquille, il y a encore du chemin. Voilà, j'aurais juste dit, bon, il l'aurait fait de toute manière avec ou sans moi, d'aller voir les supporters, ça c'est logique. Mais voilà, de rester mesuré dans le sens où il y a encore un gros match demain. J'imagine que s'il y a le même résultat demain, il y aura d'autres manifestations en termes comportementaux. Sinon, Jamal, ouais. Juste la fin de match était très calme. Comment expliquez-vous cela? Très calme. Surtout les Camerounais, on les a vus venir vers nos joueurs, ouais. Le plus normalement, comme si rien n'était. De la part des Camerounais? Oui, de notre part et de la part des Camerounais aussi. Nous, on avait rien à, nous, je viens de vous répondre par rapport à nous. On se devait d'être mesuré dans notre joie. La joie, elle était là, mais on devait être mesuré parce qu'il y a un deuxième match. Après, les Camerounais, je ne peux pas parler en leur nom. Maintenant, peut-être qu'ils se disent que... Je sais pas, ce serait difficile de parler de comment ils ont vécu la chose. En tout cas, ce qui est sûr et certain, s'ils ne l'ont pas laissé transparaître sur le terrain, la tristesse et la frustration, la déception, elle était sûrement présente. Mais ils se disent qu'eux aussi, ils se disent qu'il y a un deuxième match. Et ils y croient. Ça, c'est sûr et certain, ils y croient. Donc je ne pense pas que c'était un match où il fallait lire Wimut ou lire Bahifrah, mais il ne s'arrête pas de danser. Donc je pense que tout le monde devait être mesuré et tout le monde se dit que il y a encore une possibilité de renverser les choses. Ça, c'est du côté du Cameroun.
Et nous, on se dit qu'il faut faire attention, qu'on va prendre les choses au sérieux, que, très au sérieux, et qu'il faut rester concentré. Donc, on est obligé d'être mesuré dans notre joie. Merci à tous. C'est bon. Vous avez un quart d'heure ouvert à la presse tout à l'heure. Et M. Song.